Et salutations à toutes et à tous, et on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy, comme vous avez pu le remarquer. Bon, je remarque aussi qu'il y a une quête secondaire là où je suis, qui je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve donc pour faire le cours d'astronomie. Oui monsieur. Duncan se doit sa réputation. Laisse-moi voir... le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Évidemment qu'il ressemble pas du tout à... Mademoiselle, professeur Chat. L'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Tucker. Ah. Tiens, je peux arranger ça pour non, toi. Non. Ah, on vient de s'apercevoir d'un bug. Sans vous faire aider. Non. Ah. Ah, c'était très drôle. C'était très drôle ce bug. Bon, il va être toujours là, évidemment. Ah non. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais, professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Oh. Vous pouvez y aller. Intéressant. Bonjour. Je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement. Je suis Amit. Je suis un passionné d'astronomie. Salut Amit. C'est un plaisir de te rencontrer. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplore. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'il prenne la poussière. Eh bien, je... Merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Intéressant. J'ai attendu aussi longtemps que je le pouvais avant d'aller observer. C'est son vieux télescope, celui-là? Il a l'air pratiquement neuf. C'est la nuit idéale pour... Ah mais attendez, je peux déjà lui parler? Ah oui. J'ai le télescope. Il est mieux que ce que je pensais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi donc? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver? Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis.
Allez. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va ? Ouais. On va y aller. Ah bah, chargement. Et après cette quête-là, on finira aider Chick. Parce qu'il nous a demandé à l'aide. Enfin, il nous a appelé à l'aide. La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis contente d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Bafboul sont vraiment des poltrons. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Ouais. Rebellio. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée. Ah oui, ça passe toute la baignoire. Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Rebellio. Encore des toiles. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. Ah bah voilà, je peux faire ça. À toi l'honneur. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Encore quelque chose à récupérer dans le monde, hein. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope. Inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux, merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Eh bien, sympathique. Du coup, je sais pas pourquoi, mais voilà, je savais, défi débloqué. Exploration. Ah, c'est donc ça. Oh, ça va, il n'y a pas l'air d'en avoir des masses, quoi. Contrairement à ça, et ça, et ça. Et ça, évidemment. Défi d'exploration, je pense que ça va être le plus long à terminer. Quoique, il y a quand même celui-là qui va être très long, je pense. Donc, alors, on va faire la quête. Lève de maison en détresse. Attendez, je me demande s'il est pas... Il doit être à sa surdemande sûrement. J'ai entendu parler d'un sorcier qui se fait harceler par Arlo. Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter. On devrait aller lui parler. Retrouve-moi chez lui. Chick aimerait vous parler quand vous aurez un instant. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos. Chick a eu une idée. Il... Attention, Chick, tes idées! Attention, Chick, à tes idées. Elles sont grandioses, tes idées, Gale.
Oh, oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. J'espère que Tobbs va bien. Par contre, ça n'a pas pris en compte la modification que j'avais mis. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour en discuter et décider de la marche à suivre. Voilà. Donc nous allons, de ce pas, déposer les nouvelles. Les nouveaux animaux fantastiques, évidemment. Bon. Ici, je vois bien ceci. J'ai cours. Céleste, Galigo et ceci. Que comme dans l'autre salle, il y a des choses à récupérer, évidemment. Coffre de collection à récupérer. Oh, la musique est tellement grandiose. Jus de sangsue. J'ai à peine remarqué qu'on voit sur la map les animaux fantastiques qu'on a. Réveillon. Ah, là où il y a un coffre. Donc on peut pas passer par là, on doit peut-être passer par l'autre côté. Et après on ira. Sauver Tobbs. Bah, du moins voir comment il va. Alors, je suppose qu'il va falloir faire des sauts. Hein. Sacré plongeon. Je sais pas si on en a encore quelque part. Réveillon. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'avoir grand chose. Donc nous allons pouvoir aller à la grotte.
Évidemment, les tables d'astronomie. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. On les fera pas toutes ensemble. Je les ferai off caméra pour essayer de platiner le jeu. D'ailleurs, il y en a une juste à côté. On va juste aller la faire vu que c'est sur le chemin. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Être à 150 fps là dans ce menu là et puis ah il faut que j'utiliserai plus ça. Allez charge. Merci. Allez encore. C'est presque trop facile. Attention. Vraiment, vous avez oublié l'histoire du casque gobelin. La Morgane marchait bien avant. C'est tout. Garderai la vie. Tu devrais peut-être. Voilà donc l'ange gardien de la rame. Allez. Voilà notre botaniste. Tu ne pourras jamais vaincre tous les serpents. Une attaque parfaite. Réducteur, réducteur. Je t'ai surestimé, hein, on dirait. Je m'en Allez, envoie-moi le petit réducteur là. Voilà, merci. Quand je vous dis que c'est ça va être compliqué de faire les exploits duels. Ce n'était pas une blague, malheureusement. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Hein? Bon. Je n'ai pas vraiment le choix. Ah, je serais où, c'est la one shot. Enfin, c'est la one shot en fait. Peut-être des débits qui vont être un peu plus durs que d'autres. Hein. Mais autant essayer de les faire à chaque fois, quoi. Parce que sinon, ça va être un enfer. Bon, la grotte. Elle fait ses magies, évidemment. Le maître de Tobbs est terrible. Tobbs ? Tobbs ? Je viens de la part de Chick. Tu es là ? Confine-vous ! Les autres.
J'ai raté quelque chose ici. Oh, c'est un petit truc pour elfe de maison ici. Trop mignon. Trop mignon la petite peluche. Ouais, plus trop mignonne, non, mais. Alors, bah faut qu'on continue hein. Voilà. Ça se fait. J'aime pas ce que j'ai vu. Oh, du coup, ça veut dire qu'elle va venir. On dirait que Tobbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Oh, tellement d'araignées, au secours! Je sens qu'il va y avoir plein d'araignées. C'est vraiment pas un jeu pour les arachnophobes. Hein. Ah, c'est des réflexes à avoir, c'est quand même. Les exploits duels, c'est pas si évident que ça. Hein. Ce bruit n'augure rien de bon. Ah, mais arrête, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh, et puis dans moi, un endroit où il y a plein de toiles d'araignées, encore une fois. Tu vous as dit que j'aimais pas du tout les araignées? Je sais pas. Je doute. Oh. Ouais, je me disais bien. Un boss. Ah.
Elle peut arrêter de m'enchaîner comme ça, s'il te plaît. S'il vous plaît, madame, vous pouvez arrêter de pouvoir m'enchaîner comme ça. Allez, crève. Merci. Toi aussi, tu vas. Et. Toi aussi. Tu n'avais qu'à ne pas être une araignée géante mortelle. Réveille-toi. C'est sûr qu'il y avait un boss, putain. Il y a un coffre là-bas. On va le récupérer. Ah. On voit qu'on peut pas passer comme ça. Confine-toi. Ça va être par là. Oh non. Oh non. Cet elfe de maison, pauvre Tobs, abandonné à son sort avec les araignées. Bon, ça, oh. Ça par contre, j'aime pas ça. Y'a quoi là-bas? Je suppose que je ne peux pas la sortie en transplanant. Non. Toucher bloqué. C'est sortir du ciel. Ah, un coffre. Faut vraiment que le joueur arrête avec ses araignées. Confine-toi. Cette table me dit quelque chose. Ah. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Oh, ouf. Une fois. Que j'aurais quitté cette grotte, je vais transplaner dans la salle sur demande. Allez, transplant dans la salle sur demande. Let's go! Et on va aussi refaire le plat. Potion. Alors. C'est pratique hein, d'avoir autant de pots à potion. Bah ouais, autant de potions plutôt. Permet d'en faire en quantité industrielle. On n'a pas deux, je pense que ça va être suffisant pour l'instant. Voilà. Ce qui manque, c'est des choux. Voilà. J'en ai nouveau 9. C'est la triste nouvelle, Chic. Je suis de retour de la grotte, Chic. Fantastique. Oh, Chic espère que vous avez salué Tobs. Je suis désolée de t'annoncer ça, Chic. Mais Tobs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non.
C'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chick et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, Chick. Oh. Je suis navrée pour ton ami, Chick. Merci. Vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. Non, pas trop, Chick. Pauvre Chick. Oh, sympathique cette tenue. Bon, je vais rester sur la classique tenue d'Hérodiana. Comme je vous l'avais dit, je vais changer un petit peu mes affaires. Je vérifie que j'ai tout. J'ai rien en plus. Oui. J'ai l'impression de ne rien avoir de sympathique en plus. Ce n'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer tout ça. Donc ça c'est déjà amélioré. Ça, on peut améliorer une fois. Pas encore améliorer deux fois. Ça on peut pas l'améliorer deux fois. C'est bien ça qui est. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. On peut pas. On peut pas. Ça on peut l'améliorer une fois. On peut l'améliorer deux fois. On peut pas l'améliorer trois fois. Ça j'ai déjà amélioré. Ce qu'on peut peut-être mettre un attribut. Là. Oui, on peut mettre un attribut. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Et on va pouvoir aller voir. Parce que on avait une nouvelle quête. Donc ça on le fera après. On va aller peut-être garder ça pour une prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, justement. Donc, on se retrouvera à la prochaine. On a déjà bien avancé sur la quête principale, enfin, je suppose. On a fait une petite quête secondaire pour Chick, évidemment. Donc ici, ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo, on va les faire ici. Les deux missions ici. Et ensuite, après, le prochain épisode, ce sera sur ça. Donc, prochaine fois, prochaine vidéo, on fait dans l'ombre de la lignée. Et la vidéo d'après, avec aussi, pardon, l'enfant perdu, la vidéo d'après, ce sera sur le droit chemin. Et donc, pour ça, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.